petits potes, c'est Rookie et oui, vous ne rêvez pas, l'arbalète peut one-shot depuis la saison 4. Je vais vous proposer un petit gameplay en solo avec l'arbalète. Alors, l'arbalète, moi je l'avais tout simplement niveau 1. Donc, niveau 1, frérot, tu peux pas faire grand-chose. Mais, j'avais une variante que j'avais débloquée dans un des passes de combat, je sais plus lequel, qui est plus mortel. Et en gros, j'ai utilisé cette variante. Puisque, si j'y arrive, en gros, ce qu'il vous faut absolument, c'est le câble 28 brins, les carreaux blast cap 20 pouces et le canon ou les branches saut momenti. C'est surtout ces trois éléments qu'il vous faut pour one shot, parce que le canon saut momenti vous donne de la vitesse de balle et de la portée des dégâts. Alors comme vous pouvez le voir, c'est très lent, hein, 131 mètres par seconde. La portée des dégâts effective, ils mettent 26,7 mètres. Dans le gameplay, j'ai réussi à one shot un gars à 128 mètres. Sniper, à couvert. Donc, à voir vraiment si c'est ça ou pas. Les carreaux Blast Cap, eux, permettent tout simplement d'exploser. C'est-à-dire que vous touchez votre adversaire et ça explose ensuite. Donc, c'est surtout ça qui fait que ça one-shot, en fait, votre adversaire. Et le câble 28 brins, lui, permet d'augmenter la vitesse de balle. Alors, quand je l'ai joué, j'étais niveau 1, donc j'avais ni possibilité de mettre une lunette, ni possibilité de mettre un laser. Donc j'ai mis la poignée garde-main TR6 pour tout ce qui est mobilité, ainsi que la crosse FT Dart CB pour tout ce qui est également mobilité. Ce que je conseillerais peut-être, ça serait peut-être d'enlever la crosse et l'accessoire canon, de mettre plutôt un laser pour optimiser le temps de visée et une lunette, parce que moi du coup j'ai joué à la mire, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Voilà, voilà. Profitez bien du gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Chier, toi.
voie est libre.